Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Edge of Z et de l'application App Gallery. Alors je vous refais un petit tuto des fois que certains auraient du mal à faire l'installation de cette application qui s'appelle App Gallery, qui est proposée par Huawei et qui s'installe très très bien sur les téléphones Android toutes marques confondues alors d'habitude, vous le savez tous, euh, je suis essentiellement sur, euh, sur Nox et euh, j'ai mes petites fermes qui sont sur BlueStacks. Alors là, pour l'occasion, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un compte dans euh, MeMU, qui est un autre émulateur, pour vous montrer euh, pas à pas comment on installe euh, Apple Gallery sur un truc qui est totalement tout vierge. Comme ça, au moins, euh, je suis sûr que vous ne ferez pas d'erreur sur l'installation et qu'il n'y aura pas de problème derrière. Allez, c'est parti pour un tour. Alors, comme je le dis souvent, je vous mets en règle générale les liens dans mes vidéos. Alors, je l'ouvre sur la page d'à côté. Hop là. Là, je vais atterrir directement sur ma page où j'ai toutes mes petites vidéos. Je vous prends la dernière par exemple. Hop, on va couper le son pour éviter que ça fasse trop de bruit. Et vous le voyez dans mes descriptions, vous avez à peu près euh, tout ce que vous pouvez avoir besoin, soit pour nous joindre, soit pour me suivre et tout ce qui s'ensuit. Et dans le lot, vous avez lien téléchargement app galerie. Et bien vous cliquez dessus. Voilà, vous voyez, vous atterrissez directement sur la page. Et là, sur le côté à droite, vous avez installé app galerie. Alors, ne l'installez pas de votre côté là, parce que là, du coup là vous êtes sur Windows. Euh, J'en ai certains qui m'ont fait la remarque tu nous dis de faire ça, mais c'est sur Windows. Comment on fait du coup Eh ben, vous copiez, comme je viens de le faire, le lien. Alors pour ceux qui arrivent pas, vous allez au bout, vous restez appuyé sur le clic gauche, vous sélectionnez tout, un petit clic droit, vous faites copier, vous réduisez ou vous coupez, peu importe. Et vous allez dans euh, l'explorateur de votre téléphone. Alors, l'explorateur qui va sur Internet, pas l'explorateur des dossiers. Là, en l'occurrence, il s'appelle navigateur. Alors, je vais vous le remettre au milieu. Hop là. Euh, oui, alors ça, il me pose la question parce que je viens de tout, tout faire tout neuf. Et s'il me fait encore les joies du direct, où tout part en sucette Alors surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur Discord. Euh, je ne réponds pas forcément sur euh, YouTube. Parce que ben, euh, je reçois les notifications en fait euh, quasiment euh, à peu près une fois tous les dix jours. Euh, alors je ne sais pas pourquoi, je reçois les mails après. Euh, pareil pour les notifications directement dessus. Alors surtout. N'hésitez pas à venir sur mon Discord que j'ai créé pour le jeu. Il y a pas mal de monde qui peuvent vous écuyer sur diverses choses parce que certains connaissent déjà pas mal de choses. Euh, et moi-même, quand du coup, je vois passer un message qui m'est directement assigné. Euh, et sinon, tu peux te dépêcher de démarrer aussi. <laughs> Alors, on continue. On s'en fout de la pub. Alors, ouais, il y a des émulateurs où il y a de la pub nouveau alors explorer on va y arriver voilà là vous allez là haut sur la petite barre là où vous faites un clic ça sélectionne tout vous enlevez tout et vous collez le lien que vous avez copié tout à l'heure qui était dans la description vous sélectionnez et vous allez atterrir sur la même chose. Alors vous n'êtes pas obligé de cliquer sur tout refuser, tout accepter. Là, il n'y a pas d'importance, honnêtement. Vous cliquez simplement sur installer, app, galerie. Et là, c'est parti en sucette. Comment ça se fait Pourquoi tu veux pas C'est pas gentil. Bon, bon, on va lui dire qu'on accepte. Il sera peut-être content. Pourquoi tu veux pas Ça a marché tout à l'heure. Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu m'embêtes? Pourquoi tu es méchant? C'est et rouge le truc. Pourquoi tu ne veux point Ouais, ouais, ouais. Alors, on va essayer autre chose parce que visiblement, le truc de base ne veut pas. On va passer par un truc qui est plus officiel, des fois que ça soit par rapport à l'Explorer. J'ai dit installer, soit tu l'installes, soit tu m'embêtes. Impossible de télécharger euh, espace insuffisant. Hein Tu te fous de moi Alors, bon, du coup, j'ai résolu le petit problème simplement en augmentant la place sur l'émulateur. Bon, du coup, là, vous voyez, ça y est, c'est installé on peut l'ouvrir. Oui, continuez, blablabla, bla, 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 bla. non merci. Et là, tout simplement, dans la barre de recherche, vous mettez comme vous pouvez l'adresse que je vous ai donnée. Ça va dessus. On va aller dire tout accepter, comme ça, il sera content. Et vous cliquez sur télécharger. Là, vous voyez, ça traficote et ça nous dit enfin. Ce type de fichier peut endommager votre appareil. Alors ça, c'est normal que ça vous affiche ce message. Tout ce qui ne sort pas du Play Store, par défaut, ça vous mettra ce message. Mais ne vous inquiétez pas, c'est une application qui est officielle et qui sort bien de Huawei. Vous lui dites de télécharger. Voilà, c'est fait. Ouvrir. Il n'a pas voulu l'ouvrir, on va aller le chercher. Il est là. On l'installe. Alors, vous voyez, des fois, quand il y a certains bugs au niveau de l'explorateur de base de votre appareil, n'hésitez pas à essayer de prendre un autre système euh, Chrome, Opera, Mozilla. Pour essayer de le télécharger, c'est parce que euh, ce qui se passe avec les émules, les explorateurs de base pour aller sur internet, ils n'ont pas forcément tous les protocoles à l'intérieur et c'est pour ça que ça bloque. Donc là, c'est installé. Maintenant, on va lui dire d'ouvrir. Là, il vous demande les trucs de base, euh, tout simplement pour vous identifier, comme si c'était Play Store euh, ou, euh, ou autre chose. Là, c'est la même chose en vous demandant euh, si vous n'avez pas de compte Huawei, vous devez avoir plus d'avoir 18 ans ou plus pour utiliser cette application. Donc, si vous êtes mineur, je vous recommande de faire ça quand même avec vos parents. Sauf si vous êtes un mineur bien responsable, bien évidemment. Je parle de bien responsable, j'insiste. Là, vous voyez, du coup, on a quand même installé AppGallery, et puis là, ça nous dit qu'il y a une mise à jour. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas, je vous le dis. Souvent, AppGallery, euh, au même titre que Play Store et puis le reste, remet son store à jour. Donc, ils ont une base qui reste tout le temps disponible sur Internet. Et une fois qu'il y a une mise à jour, eh bien, ça vous le propose. C'est tout à fait normal. Donc, vous dites de le mettre à jour. Là, j'ai fermé cette page. Ça ne sert plus à grand-chose. Et là, vous voyez, maintenant, j'ai l'icône. Huawei app gallery au même titre que Play Store. Alors du coup vous voyez, j'ai déjà installé Edge of Z. Vous me direz, ah, c'est bizarre, mais on ne peut pas en avoir deux. Ben si mes amis, vous pouvez en avoir deux. Vous pouvez avoir vos comptes directement avec celui que vous avez installé avec le Play Store. Mais vous pouvez aussi avoir votre compte que vous pourrez utiliser directement avec Huawei. Allez, c'est parti, on continue la suite de l'installation. Dans la petite barre en haut, là où il y a marqué Home Skype, puis il y a d'autres choses qui défilent, vous sélectionnez et vous tapez Edge of Z. Vous tombez directement dessus et vous cliquez sur Installer. Et là, vous voyez, il y a la petite barre de pourcentage qui va augmenter. Et ça va vous installer le jeu sur votre téléphone. Le temps que ça fait sa petite installation, je vais aussi vous expliquer deux, trois petites choses. Quand vous atterrissez, enfin, je vais y arriver. Quand vous atterrissez dessus, vous avez deux parties une partie cadeau et une partie promotion. La pratique promotion, c'est ce que propose Huawei assez régulièrement sur un peu tous les jeux. Il vous propose des promotions. C'est-à-dire qu'en grosso modo, c'est des réductions qui vont vous permettre, si vous voulez acheter, bah, de payer un peu moins cher ou d'avoir un retour sur investissement. Là, actuellement, sur Edge of Z, vous voyez, il y a la campagne d'octobre. Alors, je ne vais pas cliquer sur les coupons parce que le jeu n'est pas totalement activé, puisqu'il est en train de s'installer. Mais déjà, je vous explique la promotion qui est en cours. Votre premier achat dans le jeu, ça vous permettra d'obtenir 20% de cashback. Qu'est-ce que c'est le cashback Le cashback, ce sont des points qui vont vous être donnés. Alors, c'est 1 euro, c'est un point. Euh, là, en l'occurrence, 20%. Euh, si vous achetez quelque chose à 100 euros, ben, vous gagnerez 20 points. Si, ensuite, pour les autres, durant le restant de la période, ben pareil, si vous gaspillez 100 euros, vous récupérerez 15 points. Alors, je dis des grands chiffres pour que vous puissiez bien comprendre le pourcentage. Évidemment, si vous achetez pour 20 euros, forcément, le, pour, le nombre de points sera plus petit. Mais le pourcentage, il sera quand même. Alors là, on retourne au jeu. Installation, oui, installé. Alors là, du coup, je attendre que l'installation se termine. Je précise également que, au jour d'aujourd'hui, la majorité des émulateurs, que ce soit Memu, Nox ou BlueStack, sur un ordinateur. Alors je, quand je dis ordinateur, c'est aussi bien les Windows que les Mac. Les émulateurs peuvent s'installer dessus. Le tout, c'est d'avoir suffisamment de puissance quand même derrière. Ne prenez pas un truc qui a 8 ans en arrière, ça va être compliqué. Vous pourrez peut-être arriver à faire jouer un compte, mais pas plus. Ça serait content que vous puissiez jongler avec deux comptes en même temps. Je dis deux comptes parce que comme vous le voyez sur le côté là, à chacun il y a marqué multi-instance, multi-drive ou multi-memu. La version multi, ça vous permet d'installer du coup plusieurs comptes à chaque fois. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, concernant les points, vous récupérez une partie de vos achats en points. Ces points vont aller sur votre compte Huawei que vous pourrez réutiliser quand vous avez suffisamment de points pour payer. C'est-à-dire que si par exemple il y a un pack dans un jeu, n'importe lequel qui vous intéresse, par exemple qui a 3 euros et vous avez 3 points, ben, au lieu d'utiliser euh, votre carte bleue ou votre compte Paypal ou le compte opérateur, ben, vous pourrez utiliser ces points Huawei directement. Réclamez deux coupons tous les 24 heures. Alors, je vous fais pas la partie euh, là pour l'instant, je vous fais les coupons. Vous avez aujourd'hui la possibilité de choisir entre quatre coupons. Et comme c'est dit au-dessus, réclamez deux coupons. Ça veut dire qu'apparemment, on ne peut que choisir deux coupons par jour. Donc, choisissez bien ce que vous voulez acheter en fonction des jours où vous venez. Donc, 4 euros de réduction pour un minimum de 15 euros, 15 euros de réduction pour un minimum de 80 euros, c'est vraiment pour les gros packs, 1 euro à partir de 4 euros, 2 euros à partir de 8 euros. Et concernant la troisième partie, inscrivez-vous sur notre programme VIP et recevez un cashback supplémentaire de 15%. Alors, la partie VIP, j'y descends. Voilà, pour une fois, ça ne saute pas comme les autres vidéos, ça change. Comment devenir VIP Eh bien, pour cela, il faut que vous soyez un gros dépenseur. Donc, cette partie-là, c'est vraiment... Pour ceux qui dépensent et qui ont vraiment que ça à dépenser, un petit coucou à mon cher ami marseillais <laughs> il se reconnaîtra euh, dépenser mensuellement hors les points Huawei bien évidemment c'est vraiment une dépense qui est comptée sur votre compte euh, Paypal ou votre compte carte bleue ou qui est décomptée de votre opérateur téléphonique si effectivement c'est constaté euh, que vous dépensez supérieur à 1000 euros, ben vous devez contacter via le support Discord. Alors pour ceux qui ont du mal à aller les contacter, vous pouvez passer par moi-même, il n'y a pas de souci. Euh, la seule chose dont j'ai besoin, moi mon niveau pour qu'ils puissent euh, vous trouver, euh, c'est de votre identifiant Huawei. Je vous montrerai plus tard dans la vidéo où c'est que c'est caché. Et à ce moment-là, eux ils vous enregistreront et à ce moment-là, vous aurez en supplément des 15 qu'il y a durant la campagne, vous aurez 15% supplémentaire durant cette période et peut-être permanent durant tout le mois. Je ne sais pas, cette partie-là c'est à confirmer. Voilà. Donc vous savez tout sur la promotion. Maintenant, on retourne sur le restant de l'installation. Alors, nous avons installé le jeu, mais tout ne pourra pas se faire de suite. Vous devez d'abord cliquer ici sur moi, c'est votre compte. Vous voyez, je ne suis actuellement, je suis actuellement pas connecté à un compte Huawei, donc je ne pourrai pas faire ce que je veux avec mon compte. Donc, il faut cliquer pour se connecter. Là, il vous demande d'installer... La partie HMS Core. HMS Core, c'est on va dire c'est la partie paiement euh, de, de, de App Galerie. Au même titre que par exemple vous prenez le Play Store. Le Play Store a deux parties. Ils ont une partie Store et ils ont une partie paye. pay. Pay c'est la partie paiement. Mais ben là c'est la même chose. Donc je vous invite à installer cette partie. Qui est en général un peu plus rapide que tout le reste. Voilà, la partie s'est téléchargée. Il vous suffit plus que maintenant de cliquer sur Installer pour installer cette partie. Ok. Voilà, maintenant le HMS est dedans. Vous pouvez cliquer de nouveau sur se connecter à un hein, compte Huawei. Bon, quand ça ne veut pas, il ne faut pas se prendre la tête. Il suffit de tout fermer pour réouvrir. Ça permet d'ailleurs souvent, quand vous faites cette partie-là, de mettre l'application dans le bon sens. Voilà, maintenant il nous demande de créer un compte. Ou si vous avez déjà un compte sur notre téléphone, ben vous vous connectez tout simplement. Et si vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur S'inscrire. Alors nous allons le faire tous ensemble. Comme ça, on vous verrez tous. Alors. Pour ceux qui sont dans un pays étranger et qui veulent bénéficier des promotions qui sont en France. Dans la partie sélectionner un pays ou région, mettez France parce que chaque pays a ses propres promotions. Et vous cliquez sur suivant. acceptez. Là, vous mettez votre date de naissance, peu importe. Bon, on mettre pif. Voilà, ça c'est bien. Utiliser une adresse mail, oui, bien évidemment. Alors c'est quoi déjà que j'ai marqué tout à l'heure Ah oui. Beta test fr. Si je ne me suis pas trompé, ça doit être ça. Oh là là, purée, clavier anglais. Aïe 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 Beta. Test Fr. Alors, moi, vous ne voyez pas, hein, on va le taper là. Beta test fr. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce compte-là. Hein. C'est un compte que j'ai créé, créé comme ça à l'arrache. Ça n'a aucune importance. C'est vraiment pour vous montrer comment faut faire l'installation. Est pas valable à coup ah, tu vas tout prix. Rien, hein, une autre adresse mail. Ouais, J'aimerais tout au même endroit, c'est quand même mieux. Voilà, alors. Hop. Là, vous créez un mot de passe, peu importe. Essayez de le, essayez de le sécuriser quand même. Là, c'est vraiment pour une démonstration pour vous montrer. Euh, partie téléphone. Bon, là, je vous mets pause. Hein. J'ai pas envie de vous donner mon 06. Hop. Donc là, je vous cache mon 06 qui est en dessus. En gros, là, je suis en train d'attendre euh, un code euh, par SMS. Je l'attends sur mon petit téléphone. Enfin, plutôt, alors, ce qu'il me reste du téléphone. Si ça veut bien fonctionner. En ce moment, j'ai mon téléphone. C'est une horreur. Il a eu un accident. Il est tombé dans le trou des toilettes. Voilà, ça y est, j'ai enfin reçu mon code, je l'ai tapé, et je clique sur terminer. Il me dit quoi là Pour protéger votre compte, je vérifie. Ah, là en gros, il faut que je réponde au mail qui m'a été envoyé. Pour ça, je retourne sur mon mail. Bah c'est bien mais pour ça faudrait il faudrait qu'il m'ait envoyé le mail, je l'ai pas reçu. Voilà, en fait j'étais pas du tout connecté sur la bonne. Hop, 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 Huawei. Ouais. Youp, je viens ici. Hop, hop, j'enlève les mails qui nous servent à rien. On clique sur le mail et vérifier ici. Là, vous cliquez, ça y est, votre compte est enfin activé. Donc là, ce que j'ai reçu, c'est comme si vous l'aviez reçu sur votre boîte mail, que vous l'aviez ouvert. Et maintenant, vous pouvez faire valider. Vous pouvez lui faire oui, non, il n'y a pas trop d'importance. Et là, du coup, là-haut, ça va se mettre en connecté. Connexion en cours, blablabla. Bla 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 bla. Suivant, ça vous reproduit les mêmes choses que tout à l'heure. Vous acceptez de nouveau les conditions. Et cette fois-ci, votre compte App Gallery est complètement fait et installé. Donc là, cette fois-ci, cette partie-là est terminée. Donc là, vous voyez, j'ai bien deux jeux Edge of Z. Je vais vous mettre pause le temps que je fasse le petit tutoriel et je vais vous montrer la différence ensuite entre l'application classique que vous connaissez tous et la version avec Huawei. Ouais, parce que là, du coup, je vais devoir passer tout le petit tuto. tuto ça dure à peu près 2-3 minutes. Je pense que vous avez suffisamment entendu pour le reste. <laughs> Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, du coup, j'ai fini le petit tuto, qui sert un peu à rien. Mais au moins, maintenant, je peux vous montrer la différence. Alors, la toute petite différence, c'est que, du coup, maintenant, quand vous allez dans votre compte, au lieu d'avoir euh, Google ou autre chose, hein, vous avez du coup la partie de Huawei qui apparaît à la place, hein, qui vous permet donc de lier euh, votre jeu euh, à cette partie. Donc du coup, si vous êtes un joueur qui est sur, euh, on va dire, iPhone, et vous souhaitez utiliser euh, votre ordinateur, bah, je vous recommande de lier... Avec Facebook, comme ça vous pourrez récupérer dessus sur euh, l'émulateur du PC. Et n'hésitez pas du coup par conséquent à le lier au passage à Huawei euh, sur votre émulateur. Ça vous permettra au cas où que s'il y a un problème, soit avec votre téléphone, soit avec Facebook, comme on a eu en début de semaine, bah, vous pouvez au moins avoir une certitude, hein, c'est que votre compte, il est dans votre émulateur. Il partira pas, quoi qu'il arrive, vous pourrez quand même jouer. Et du coup, ça vous permet aussi, euh, si vous êtes sur un Droid ou sur un émulateur, bah, du coup, vous pouvez avoir deux comptes. Euh, deux avec Huawei et deux autres euh, avec l'autre compte. Voilà. Euh, donc là, je vais le lier. C'est tout simple, hein. vous cliquez sur le bouton. Lui, fait sa petite patchac de chargement. Autorisé à se connecter. Et voilà, votre compte est lié. C'est terminé. Votre compte est sécurisé. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas parce que c'est un nouveau compte ou autre chose, mais avant, là-haut, on avait un petit onglet pour envoyer vers les mails. Alors, ne vous amusez pas avec ça juste à deux votre ville à votre pote pour qu'il se connecte si vous avez une absence vous ne pouvez pas jouer et eh ben vous trouvez une personne de confiance vous lui donnez vos accès à votre compte facebook et il se connecte avec facebook comme ça au moins il est sûr de pouvoir y arriver et c'est la même chose si vous décidez de vendre votre compte vous créez la veille un compte Facebook. Vous connectez le jeu dessus le lendemain parce qu'il faut un certain délai pour que ça prenne en compte. Et ensuite, vous pourrez donner les identifiants à l'acheteur. En ce qui concerne les petits packs, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il y avait des packs. Alors, là, il faut que j'avance un peu sur le jeu pour que ça débloque un petit peu tout ce patatras. Euh, parce que là, au final, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que j'ai accès aux boîtes Ouais, j'ai accès aux boîtes. Euh, et bien là, tout simplement, vu que maintenant vous êtes dans le monde de Huawei, je clique au pif. Hein. Ouais ou mettez-moi les nounours, c'est bien aussi. Voilà. Ça l'envoie vers le système de paiement. Vous cliquez sur oui, oui. Et là, ça vous envoie vers les différents modes que vous, que vous souhaitez choisir pour payer. Et là, vous cliquez du coup sur ce qui vous intéresse. Alors là, pour le coup, je ne pourrai pas aller plus loin parce que euh, sur cette partie-là, il n'y a rien de configuré. Ça sera à vous à le faire. Je vous rassure, c'est très très simple. Vous cliquez sur les machins, c'est tout expliqué tout bien. Et comme je vous le disais tout à l'heure, 20% de vos achats remboursés en Huawei point pour votre premier achat, puis 15% pour le reste. Les points, ils sont ici. Vous avez vu, j'ai cliqué sur un plus, ils apparaissent. Là, ils apparaissent pas parce qu'actuellement, votre compte, il est à zéro. Alors, pour vous prouver que je raconte pas non plus les salades, je vais tout stopper sur cette partie-là. Hop. Je vais démarrer mon jeu. Je vous mets pause le temps que j'arrive dessus. Voilà, ça y est, le jeu a enfin démarré. Et blablabla. Bah tiens, ça tombe bien. Elle, je voulais la récupérer. Alors, c'est impeccable. Pour une fois, j'ai celle que je cherche depuis des... quelques petites semaines. Alors, du coup, vous cliquez sur acheter. Donc, peu importe par là où vous passez. Hein. Là, ça vous renvoie vers votre système de paiement. Moi, je paye en général avec PayPal. Comme ça, moi, je ne suis pas trop embêté. Et là, du coup, il me propose aucun coupon. Malgré que j'en ai. Mais comme le prix, il manque, bah, il faudrait qu'il y ait 8 euros. Bah, il n'y a pas assez. Donc du coup, il ne me propose pas le coupon. C'est automatique. Quand tiens, vous avez un coupon de disponible, il vous le marque. Donc là, du coup, je clique sur payer. Euh, Zoup, je vous cache parce que je ne vais pas vous mettre mon code perso. Sinon, ça ne serait pas drôle. c'est payé. Et là, du coup, ça vous met une petite phrase où il faut faire quand même attention parce que là, c'est très important. Je vous rappelais qu'il y avait l'histoire des 20% et des 15%. Donc, moi, j'ai déjà fait des achats, donc j'ai que 15%. Bon, du coup, là, il me dit récompense en point Huawei. Cliquez sur demander. Sinon, vous ne les récupérerez pas. Si vous oubliez, bah, c'est un pied pour vous. Désolé, ce pas automatique. Je leur ai déjà dit, ça serait mieux que ça soit automatique, mais ils ont estimé que c'était à la charge des personnes d'y penser. Vous faites OK. Là, ça vous fait la facture, patati, patata. Et là, vous obtenez votre joulet, votre nouveau petit joujou. Donc, moi, les trois ans d'anniversaire, c'est bon, j'ai eu ma dose. Alors, je vais retourner dans les offres. Là, on va prendre 10 euros. Comme ça, vous allez voir l'histoire des coupons. Alors, je n'ai pas regardé les tarifs du coup. Euh, supérieur à 15 et supérieur à 17. Donc, faut que je monte à 15 euros. Euh, bah, C'est pas grave, on va le faire avec. Comme ça, le prochain, il sera bon. Hop là. Je veux récupérer mes points. Vos points ont été récupérés. Succès. OK. Fermeture. Et, pouf! J'obtiens ce que j'ai demandé. Alors, si je me rappelle, je crois qu'elle avait dit, normalement, le 15, cette fois-ci, je peux le prendre. Ah, et là, vous voyez, il m'a mis enfin le coupant de 4 euros. Comme je vous disais tout à l'heure, il m'a mis celui à partir de 15 euros. Donc là, du coup, ça me au lieu de payer ben, euh, 15 euros, ben 15 moins 4, ça fait 11. Et la différence des 11 que je pointe, bien évidemment, 15%, je vais les récupérer en points. Hop là. Voilà. Et là, j'ai mes petits points qui correspondent à mon pourcentage. Et je fais également. Demander pour pouvoir les récupérer. Et je clique sur OK pour tout finaliser. Alors vous l'aurez compris, là je vous le fais surtout sur les Saxi parce que c'est surtout elles qui m'intéressent aujourd'hui. Eh les petits gâteaux, j'en veux pas. <coughs> je vais profiter qu'elles sont là. Je vais aussi le faire pour la taille au-dessus. Et là j'ai mon deuxième coupant de 4 euros qui apparaît. Que je vous disais tout à l'heure. 20 4 ça fait 16. Malheureusement, j'ai que 7 points, donc je peux pas les utiliser. Alors, vous pouvez les utiliser si vous le souhaitez. L'inconvénient, c'est ça qui vous fera utiliser votre carte bancaire. Donc, moi, comme j'utilise PayPal essentiellement, du coup, je ne peux pas utiliser ce moyen de paiement. Mon moyen de paiement à moi c'est huawei euh, PayPal, pardon. Bon, là, ça me l'a refusé parce que j'ai fait n'importe quoi. Donc, je reviens dessus. Allez, petit joujou, sois gentil. Euh, attendre. Ok. Il a juste rien compris au film. Alors, quand vous faites trop de trucs trop, trop vite, en fait, il a tendance à mémoriser là, ce que vous avez demandé avant. Du coup, il perd un peu le fil. Continuez. Là, normalement, il a dû supprimer ce que je lui ai demandé avant. C'est bon. Je veux payer. Voilà. Je vous recache pour le petit code. Voilà. Et là, je récupère mes 2,40 du pourcentage des 15% que je demande, bien évidemment. Et je clique sur OK pour tout finaliser. Et là, je récupère Saxi. Voilà. Maintenant, vous savez comment on utilise les coupons que vous avez pu voir. Comment payer. Comment installer. Vous avez vu, c'est tout bête. C'est juste qu'il faut le savoir. Et euh, moi ce que je vous invite honnêtement c'est à utiliser cette application là pour, pour payer euh, parce qu'ils font eux ils font des réductions qui sont souvent intéressantes, vous le voyez on peut récupérer un point euh, là si je sors du jeu que je vais directement dedans hop je vais aller sur mon compte je sais plus où c'est j'ai oublié mise à jour non Youhou oh c'est où Normalement on peut le voir facilement coupant une liste achat. Attendez, je vous le cherche. Bougez pas. Ah, maintenant, il me demande de mettre à jour ça. On verra après. C'était dans le paiement. Voilà. C'est dans le paiement et achat. C'était dans le paiement et achat quand vous êtes sur votre compte. Donc là, vous voyez, actuellement, j'ai 9,49 points. Ça fait que du coup, ben, les petits packs. Euh, qui peuvent être intéressants, qui coûtent 4 euros, ben, mais au lieu de payer 4 euros, ben, je vais les payer avec ces points là. Tout simplement. Ça sera exactement la même chose. Au lieu de cliquer sur euh, PayPal ou sur votre carte bleue, mais ben, vous cliquez sur euh, Huawei. Et vous pourrez faire votre achat. Voilà tout le monde. C'est fini pour cette vidéo qui parlait essentiellement de comment installer App Gallery. Pour ceux qui ne le savaient pas. Euh, pour pouvoir profiter de toutes leurs promotions qui peuvent nous donner sur ce jeu-là, c'est la même chose sur d'autres jeux. Vous allez dans promotion tout simplement. Tous les liens que je mets dans la description sont forcément utiles. Donc ça vous permettra d'installer ou de venir sur notre Discord que j'ai créé pour spécialement pour tous les Français. Euh, où je mets toutes mes vidéos que je fais, que ce soit pour les guerres et ainsi de suite et de discuter de tout, de rien, de si vous avez des questions. Donc surtout, n'hésitez pas à venir sur mon Discord, il est là, il est fait pour. Et surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, parce que ça fait toujours plaisir sur la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.